that's funky. Okay. If it smells like funk, it must be us, the funk, funk, tall bells. It is, thank you, stuff. If it smells like funk, it must be us, the funk, funk, tall bells. It is, thank you, stuff. If it smells like funk, it must be us, the funk, funk, tall bells. It is, thank you, stuff. If it smells like funk, it must be us. Cause nobody's funky as us, cause we keep it stinking. We keep it stinking. Je suis l'adjointe du patrimoine en charge de l'animation de la bibliothèque de Sainte-Christolie de Plaille. Donc nous avons à cœur avec l'association qui gère aussi en partenariat avec la commune la bibliothèque de promouvoir un petit peu la lecture publique et surtout de promouvoir les rencontres. Ce qui est important chez nous, c'est surtout l'échange autour du livre, autour de la culture tout simplement. C'est pour ça que nous organisons une fois par trimestre environ une rencontre avec un auteur. Un auteur qui vient à la rencontre de ses lecteurs et qui a lieu lors d'un petit déjeuner littéraire qui permet donc d'échanger avec l'auteur. Nous proposons aussi des animations autour de thèmes philosophiques avec un philosophe qui vient une fois par trimestre rencontrer et animer une discussion autour d'un sujet philosophique. Voilà. On propose aussi dans les semaines nationales comme la semaine du goût par exemple, là on va avoir prochainement une petite rencontre autour du thé, avec une dégustation de thé, avec une association locale qui se nomme Autour de la théière, qui va nous proposer une dégustation de thé et de saveurs. C'est très salé. Voilà ce qu'on peut proposer un petit peu à la bibliothèque de Sainte-Christolie. Je suis auteur du témoignage La peine d'être vécue, édité par les Arènes cette année, en 2015. Et là, donc, j'ai été invitée par la bibliothèque de Sainte-Christolie de Blaye pour faire un petit déjeuner littéraire où je présente mon livre auprès de gens. Alors une partie l'auront lu, une partie ne l'auront pas lu, et donc l'idée c'est de présenter un peu le livre, faire un résumé rapide, et puis que ça soit l'occasion d'échange entre nous. Alors tout commence avec la mort de mon petit frère, donc il a 9 ans, il avait 9 ans, moi j'en avais 12, et en fait il était atteint de la mucoviscidose. Et moi jamais j'aurais pensé qu'il allait mourir, et à partir de là, je me sens comme amputée d'une partie de moi-même. Tout s'effondre autour de moi et la vie ne sera plus jamais comme avant. Dans ma famille, mes parents ils font comme ils peuvent pour gérer leur souffrance en silence, et mon petit frère on n'a plus le droit d'en parler. Et me retrouvant fille unique, toutes les attentes et les pressions familiales se reportent sur moi. Moi depuis toujours je rêve d'être artiste peintre, mais dans ma famille ce n'est pas un métier. Et mon père, lui, est polytechnicien. Dans la famille, on est polytechnicien de père en fils depuis des générations. Et peut-être a-t-il reporté les espoirs qu'il avait sur son fils, sûrement. Lui, il me rêve en femme d'affaires brillante, le commerce, la base de tout. À 30 ans, j'ai répondu à tous les critères que voulaient mes parents et que nous inculque aussi la société. J'ai un mari bon vivant et attentionné. Je viens d'accoucher d'une petite fille qui est adorable et en parfaite santé, et je travaille dans la production cinématographique. J'ai, comme on dit, tout pour être heureuse, et pourtant, j'ai perdu le goût de vivre. J'ai l'impression depuis 30 ans de vivre une vie qui n'est pas la mienne, et de passer à côté de la vie pour laquelle je suis faite. En plus, 2 ans avant, je rencontre un professeur de peinture qui, le premier, croit en moi en tant qu'artiste, me prend au sérieux. Et il vient réveiller un vieux rêve que j'avais enfoui depuis des années. Mais la peur de l'échec, le manque de confiance en moi, la peur d'entraîner ma famille dans une vie de galère, m'empêche de tenter l'aventure de la peinture et en même temps impossible de continuer dans ma vie actuelle. Alors à un moment donné, je tente de tout concilier. Le travail est devenu très compliqué parce que ma société a été rachetée par un gros groupe qui ne voit que par la rentabilité. J'essaye en parallèle de faire une formation artistique pour devenir professeur d'art plastique. Et j'ai ma petite fille qui a quelques mois et donc qui demande pas mal d'attention. Et très vite, ça fait trop pour moi. Je suis jamais là où il faut. Quand je suis au travail, je pense à ma fille. Quand je suis avec ma fille, je pense à ma formation. Et je me sens surmenée, paniquée. J'ai l'impression de ne pas arriver à tout concilier parce que mon problème, c'est que je n'arrive pas à faire de choix. Et tout d'un coup, cette tempête sous un crâne me paralyse brusquement.
je tombe en dépression. Une dépression qui va durer 2 ans. Les allers-retours en maison psychiatrique, les antidépresseurs n'y feront rien. Et un jour, m'étant coupée de tout le monde, me sentant vraiment définitivement inutile, je me jette sous le métro. Je me réveille à l'hôpital, toujours en dépression, avec le corps que j'ai actuellement, c'est-à-dire amputé des 2 jambes et du bras droit. Donc autant dire que c'est l'horreur. Je passe mes journées à hurler et en vouloir à ceux qui m'ont sauvée. Et puis finalement, je vais mettre 6 mois à retrouver un sens à ma vie. Et même à trouver un sens que j'avais jamais trouvé en fait jusqu'à présent. Et tout ça, c'est grâce à des rencontres humaines fortes. C'est genre de piliers comme ça qu'on rencontre dans la vie et comme des messagers. Et donc voilà. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup, voilà, j'ai remarché en 3 mois contre toute attente. Après, je suis rentrée à la maison et j'ai reconstruit une vie dans laquelle je me suis autorisée tous mes rêves. Donc j'ai repris une vraie relation avec ma fille qui n'attendait que ça. Et puis, en fait, j'ai commencé à entamer une carrière d'artiste peintre professionnel. Assez rapidement, j'ai exposé en France et à l'étranger, même à New York. Et donc aujourd'hui, finalement, j'ai une vie épanouie. Une vie où je me sens en adéquation avec moi-même. Une vie de famille, avec mon compagnon et mes 2 filles. Oui, parce qu'entre-temps, j'ai refait ma vie. J'ai une petite fille qui a actuellement 3 ans. Et puis, j'ai une carrière professionnelle d'artiste peintre qui s'inscrit dans le temps. Et je fais de belles rencontres humaines qui m'amènent vers toujours de nouveaux projets. En fait, c'est une vie faite de liberté. La liberté, c'est quoi finalement? C'est oser réaliser ses rêves en tenant compte de ses contraintes propres. Pour moi, c'est vraiment un livre sur le sens de sa vie, au-delà de mon histoire particulière. C'est vraiment ça, en fait. C'est de dire que finalement, on peut tous, à un moment donné, décider d'être heureux, quel que soit ce qui nous est arrivé dans la vie. Moi, par exemple, quand je me suis retrouvée sur ce lit d'hôpital, j'avais plus grand-chose. Et en même temps, avec ce pas grand-chose, j'ai réussi à construire la vie d'aujourd'hui parce que je me suis concentrée sur ce que je pouvais encore faire et pas sur ce que je ne pouvais plus faire. Après, la deuxième chose, c'est pour moi, chacun a sa place, en fait, sur cette terre. Chacun a des choses à y accomplir. Et ce qui compte vraiment, c'est l'estime et la confiance en soi. Si on a un projet vraiment qui nous tient à cœur, il ne faut pas hésiter finalement, il faut se faire confiance parce que quand on est vraiment à sa place, on trouve toujours l'énergie finalement pour arriver à faire ce qu'on a envie de faire. Donc ne faites pas comme moi, n'attendez pas que la vie décide pour vous. Et troisièmement, je dirais ce qui est important aussi, c'est tout ce qui est la transmission, le partage. C'est vrai que moi, mon parcours, je le souhaite à personne. Et en même temps, il y a une chose dont je peux être fière aujourd'hui, c'est ce que je transmets à mes filles. L'énergie, la combativité, la force, le respect, mais au-delà de tout ça, une immense joie de vivre. Et donc voilà, je dirais en conclusion, oui, la vie vaut la peine d'être vécue et partagée. Et aujourd'hui, c'était assez intéressant. A priori, j'étais un petit peu angoissé au départ compte tenu du thème et de ce que j'avais pu en savoir. Mais c'est vraiment très intéressant. Ce qui émane le plus, c'était une volonté, une farouche volonté de faire. C'est probablement ce qui a été le départ du problème de l'auteur, au sens, c'est de ne pas pouvoir faire ce qui a amené, et ensuite c'est maintenant de continuer à faire, mais vraiment, c'est très, très encourageant, humainement très intéressant. Je crois que c'est ce que j'ai le plus ressenti.